Salut, bienvenue à Londres, très précisément à Stamford Bridge pour suivre ce match avec nous. C'est Hervé Matou au micro, ravi de commenter ce match pour vous en compagnie de Pierre Ménès. Chelsea contre le FC Barcelone. Hervé, on a envie de voir un super match aujourd'hui et je pense qu'on ne sera pas déçus. Messi qui a manqué sa passe et qui donne le ballon à l'adversaire. Timo Werner est en train de remonter le terrain. Allez, le ballon qui est dégagé. Ansu Fati. Ah, c'est finalement un match assez équilibré auquel on devrait assister, Pierre. Barça sait que c'est loin d'être joué, qu'il faudra rester concentré et appliqué, mais je pense qu'on va avoir une belle rencontre. Centre peut-être, allez. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Lionel Messi. Léo Messi, qui sait qu'il sera attendu dans ce match. Oui, c'est un brillant technicien, très agile avec le ballon et un excellent dribbleur. Et non, ça n'ira pas plus loin, c'est bien défendu. Mais bon tacle, il lui a pris le ballon. Ah, il aurait dû retarder son appel. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Ouais, il avait vu venir. Ouais, la bonne passe en profondeur de Griezmann. Oh, il y est ! Oh, le premier but dans cette rencontre ! Une rencontre qui démarre à fond ! C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. Piqué. Avec Messi. Antoine Griezmann. Messi qui perd le ballon. Ben Chilwell. Et les défenseurs qui vivent un véritable cauchemar. Ah, elle a lutté après pour reprendre ce ballon. Sergio Busquets. Ansu Fati. Et Messi. Lionel Messi, les Blaugrana qui ont le ballon. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Messi. En profondeur, oui, bien vu. Il a démarré un petit peu vite. Ziyech. Ouais, faute et coup franc là pour Chelsea. Hakim Ziyech. Et le duel remporté dans sa surface. Frankie de Jong. Avec de Jong. Ousmane Dembélé. Griezmann. Oh, il va filer au but. Ah, c'est pas fini encore. Le gardien qui repousse, ça peut revenir. Extraordinaire, hein, le premier arrêt du gardien. C'est l'arrêt décisif hein, de cette action, le tout premier. Ouais, s'il l'avait capté du premier coup, c'était encore mieux. Mais bon, il a bien assuré dans l'ensemble. De Jong. Ousmane Dembélé. L'arbitre qui signale un hors-jeu, qui arrête le jeu. Ziyech. Chelsea qui n'a plus le ballon, qui l'a perdu. Léo Messi, balle au pied. Busquets. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Oh, le but du Barça. Le but du Barça, ça fait deux buts d'avance maintenant pour les Catalans. Et les voici donc avec deux buts d'avance, 2-0. Sergio Busquets. Petite talonnade, c'est bien fait. Azpilicueta va essayer de récupérer ce ballon. Ben Chilwell.
Timo Werner. Il est dépossédé du ballon. C'est dévié, ce sera une touche. La bonne transmission. Oh oui, encore une bonne passe. Messi toujours, personne pour l'arrêter. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. De Jong. En retrait, dans l'axe, c'est dangereux. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Léo Messi. Il faut trouver l'ouverture. Kanté, mais le ballon est rendu à l'adversaire. Messi. Encore Busquets. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Qui avait senti le coup, il a récupéré. Havertz. Ziyech. Christian Pulisic. Ils sont en train de revenir dans la partie. Plus qu'un but et ce sera l'égalisation. Il y a peut-être un truc à faire dans ce match pour cette équipe finalement. Au vu des scores, on n'aurait pas dit ça il y a quelques minutes, mais là évidemment l'histoire a changé. C'est 2-1 donc maintenant. Avec coup franc pour les Blues de Chelsea. Il décide de jouer rapidement coup franc. Une minute, il y aura une minute seulement de temps additionnel. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Voilà, léger avantage, mais avantage quand même à la pause, avec ce score de 2-1. Avantage au score pour le Barça dans ce match, qui recommence tout juste. Avec De Jong. Ousmane Dembélé. Frankie De Jong. Sergio Busquets. Messi qui a manqué sa passe et qui donne le ballon à l'adversaire. Griezmann. Léo Messi. Intercepté la passe de Messi. Oui, bien coupé, cette passe de Lionel Messi. Ben Chilwell. Et il donne un ballon piqué. Super bien défendu, mais le danger qui est toujours là. Il y a un tacle réussi de plus. Très bien joué de sa part, gros match. Griezmann. Les Blaugrana qui ont le ballon. De Jong. Ah, il aurait dû retarder son appel. Ouais, lumineuse cette passe. C'est Jordi Alba qui était là pour intercepter. Un corner donc après ce tacle parfaitement exécuté. Le corner en direction du point de pénalty. Le gardien qui repousse ce corner. Voilà, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, il se balade littéralement dans la défense. Ah, c'est un ballon perdu. Antoine Griezmann. Messi. Messi. Ah non, la passe est interceptée. Antoine Griezmann. Ah non, la passe en profondeur qui est interceptée. Il était bien placé, le défenseur. C'est donné en profondeur. Ouais, la bonne intention. Un ballon piqué, parfaitement dosé. Ils reviennent à égalité de partout. Un ballon qui a été dévié et qui sort en touche. Frankie De Jong.
Griezmann. Et la frappe d'Antoine Griezmann. Et le gardien qui remporte son duel. Griezmann, c'est une balle de but, ça. Et dans le tir qui est contré. Allez, corner. On va essayer de mettre un peu de présence dans la surface du côté de Barcelone pour tenter de prendre l'avantage. Clément Lenglet. De Jong. Oh, superbe, la balle piquée. Il marque. Chelsea voit son adversaire passer devant. Ouais, la faute, mais ça joue, dit l'arbitre. Et puis il peut toujours revenir à la faute si ça donne rien. Timo Werner. Oh, beaucoup d'espace pour Chelsea sur l'aile. Ah, c'était mis en position, mais il envoie ce ballon. En sortie de but, l'entraîneur qui ne pouvait pas faire autrement que de le faire sortir. Ouais, c'est flagrant, il n'avait pas le niveau aujourd'hui. Ousmane Dembélé, Messi. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Antoine Griezmann, c'est le Barça qui marque. On voit tout ça avec ce 1-2 qui s'est révélé décisif. Ensuite, c'est joué en finesse avec juste ce qu'il fallait de précision pour éliminer le gardien. C'est un vrai geste d'attaquant. Le score qui est maintenant de 4-2. Décidément, on a des buts aujourd'hui. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Antoine Griezmann. Vu venir. Allez, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Cette contre-attaque est déjà terminée. C'est une intervention qui n'a pas du tout plu à l'arbitre. Et l'arbitre qui va sortir le jaune. Oui, il s'en sort bien. Ouais, là j'avoue que je ne comprends plus rien. Pour moi, c'était un rouge évident. Et les Blues qui se montrent dangereux. Jordi Alba. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Les Blaugrana qui ont le ballon. Il fallait le récupérer, hein, ce ballon. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Il n'y a pas grand monde là pour revenir défendre. Mais encore un tacle et encore une fois réussi. Antoine Griezmann. Avec Dembélé. Léo Messi. Ousmane Dembélé. Oh, le bon ballon. Ça, c'était dangereux. Bonne intervention. Dembélé. De Jong. À Griezmann. Ah, c'est contré par Thiago Silva. Ça presse haut, attention à ce ballon. Messi. Timo Werner. Messi qui perd le ballon. Le quatrième arbitre lève son panneau. Une minute de temps additionnel seulement. N'Golo Kanté. Chelsea qui n'a plus le ballon, qui l'a perdu. C'est terminé, Pierre. C'est terminé. Le résultat de ce match, c'est donc cette victoire à l'extérieur. Ouais, rencontre sacrément indécise, mais finalement vite.
bonjour à tous. Nous sommes en Espagne aujourd'hui, plus exactement en Catalogne, à Barcelone. C'est Hervé Matou qui vous parle en compagnie de Pierre Ménès, avec un match qui s'annonce très intéressant. Le FC Barcelone contre Liverpool. On devra assister à un bon match aujourd'hui et on espère ne pas se tromper. Ousmane Dembélé qui perd ce ballon. Ah, il récupère les vertus du pressing. Ousmane Dembélé, il cherchait quelqu'un mais il ne l'a pas trouvé. Il est en train de les rendre fous, les défenseurs, regardez. Il a l'air de bien s'amuser, puis comment en face, on le laisse faire tranquillement. C'est pour le gardien, ce ballon. Allez sortir, bien joué. Griezmann. Ousmane Dembélé. Son Becker qui repousse, c'est pas terminé. La bonne passe. Oh oui, magnifique. Oh, le ciseau, c'est splendide. Fantastique, le geste parfait. On n'a pas fini de le voir et de s'en réjouir de ce but. On revoit ce but assez mérité, tant cette équipe est forte sur le plan collectif en ce moment. Elle vient presser haut, elle sait exploiter les bons ballons récupérés. J'avoue que je suis impressionné là, et il en faut beaucoup pour m'impressionner. Antoine Griezmann. Moussala. Voyons comment Liverpool va développer cette action. Lionel Messi. Le face-à-face, attention. Attention, ce n'est pas terminé. Les supporters qui n'en reviennent pas. Toujours ce but d'avance, Pierre. Ouais, ça aurait pu faire deux, mais il a bien vendangé cet ogre, le gars. Hein. Bravo. Hein. Sadio Mané. Roberto Firmino. Sadio Mané encore. Une balle d'égalisation. Firmino. Diogo Jota. Et l'égalisation. Et bien voilà, une équipe qui n'aura pas couru longtemps au score. Non, elle a réagi vite et bien, cette équipe. Et puis ça nous fait du spectacle, c'est chouette. Et voilà donc à égalité, un but partout. Ousmane Dembélé. Et il redonne le ballon à son équipe avec cette récupération. Et Mets qui perd le ballon. Antoine Griezmann qui continue. On a décidé de faire du pressing, hein, regardez. Antoine Griezmann. Voilà, il a récupéré le ballon, c'était chaud là. Diogo Jota. Cherche la faille dans la défense adverse. Le centre, il a vu Sadio Mané dans l'axe. Le centre qui est dégagé du point par Ter Stegen. Le ballon est intercepté par Van Dijk. Mané avec Firmino. Ah, il peut donner l'avantage à son équipe là. Ouais, le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Et ça va donc être un corner. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Le danger ne viendra pas en tout cas de cette tête. Ouais, ça passe loin du cadre quand même. Dembélé avec De Jong. Antoine Griezmann. Frankie De Jong. Griezmann. Ça c'était dangereux, bonne intervention. Allez, il faut le mettre celui-là. Et le but, ils sont allés le chercher, hein, ce but. Ils n'ont pas arrêté de harceler le porteur du ballon. Quelle énergie ils ont mis, ils sont récompensés. Oui, ils ont forcé l'adversaire à jouer en sur-régime par moment. Et voilà la première approximation, ça se paye cash. Diogo Jota. Avec Roberto Firmino. Sadio Mané. Récupéré par l'adversaire, ce ballon complètement manqué de Sadio Mané. Jordi Alba, Sergio Busquets se contente de faire circuler le ballon à toi, à moi, et l'adversaire, il faut bien le dire, laisse faire. Antoine Griezmann,
la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Ouais, Messi, ça c'est bien joué. Ah, il attendait sans doute la passe plus tôt. Le long de la ligne de touche, Sadio Mané. Il va s'offrir un duel avec le gardien. Oh là, là, c'était vraiment tout près là pour Liverpool, mais le score qui ne bouge pas. Toujours un but de retard pour les Reds. Sergio Busquets avec De Jong, très bien perdu par le Barça. Roberto Firmino. Le tir, c'est contré hein, par le défenseur, dommage. On va peut-être assister à une contre-attaque. Attention, il peut aller au bout maintenant. Ah, le drapeau s'est levé, mais ça doit être vraiment limite. Roberto Firmino. C'est mal parti dans cette rencontre, mais on sent que l'équipe ne va pas baisser les bras. Ouais, elle n'est pas au sommet de son art, cette équipe de Liverpool, mais pas de panique. Ce serait une erreur de vouloir égaliser à tout prix. Il y a encore plus d'une mi-temps pour inverser la tendance. Une bonne séquence de passes des Barcelonais. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Et il n'y aura qu'une minute hein, de temps additionnel à jouer. Diogo Jota. Fabinho. Allez, pourquoi pas l'égalisation. Ter Stegen qui s'interpose. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Les Reds qui n'ont pas été extraordinaires en première période, qui vont vouloir faire mieux dans la seconde, dans cette seconde période qui démarre à l'instant. Joe Gomez. Virgil van Dijk. Pour Henderson. Van Dijk. Henderson. Avec Mané. Diogo Jota. Ah oui, c'est bien fait ça. C'est intercepté, heureusement, parce qu'il pouvait y avoir danger derrière. Messi. Avec Salah qui perd ce ballon. Bon, Pierre, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il a été plutôt bon quand même au cours de ces 45 premières minutes. Hein. Ouais, il est en train de faire un bon match, c'est clair. Il a du gaz. Oh, le bon ballon pour Griezmann. Et voilà, beaucoup d'autorité dans cette intervention du gardien. Bon, c'est pas le plongeon de l'année, mais c'est bien. Il a préféré ne pas prendre de risques. Cette tête qui manque le cadre assez largement. Ouais, il l'a joué comme, un peu comme il l'a pu. Il était bien pris au marquage. Mohamed Salah. Construire en passant sur les côtés. Sadio Mané, le centre. Le dégagement pour éloigner le danger. Fabinho pour Sadio Mané. Allez, oui, peut-être l'égalisation. Liverpool qui égalise. L'égalisation pour les Reds. Ah oui, c'est intéressant comme stat. Hein. En tout cas, moi, je ne regrette pas d'être venu. Pas si souvent. Les deux équipes veulent imposer leur jeu, elles ont plein d'occasions et en plus on a vu le début, donc voilà, hein, pourvu que ça dure. Hein. La bonne passe. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Il travaille bien son ballon et il marque en finesse. Liverpool qui est donc mené. Diogo Jota. André Robertson. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Voyons comment Liverpool va développer cette action. Oh, le but! Oh, le but de Reds! Ah, comme quoi, il faut toujours compter sur la réaction de Liverpool. Ah, décidément, dans ce match, personne n'arrive à prendre le meilleur sur l'autre. Los Padres de Francisco. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Henderson.
Roberto Firmino. Sadio Mané. Roberto Firmino. Encore Firmino. Ah, on sent que cette équipe de Liverpool est en confiance avec ses échanges. Ouais, il a joué un petit peu puissamment, mais le ballon est passé au-dessus. Ouais, c'était quand même une belle frappe. Hein. Le ballon perdu par le Barça. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Sadio Mané. Allez, il faut centrer. Une personne. Firmino. Il fallait le récupérer, hein, ce ballon. Ah oui, la bonne passe. Et ça fait but, donc, après un gros travail de récupération, Pierre. Oui, oui, c'est l'illustration du système de jeu de cette équipe. À force de presser, elle récupère et elle marque. Peut-être le but de la victoire, hein, Pierre. Ah, c'est vrai qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour égaliser. Hein. Il avait anticipé la passe en profondeur. Ousmane Dembélé. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Sam Becker, attention, il a relâché le ballon. Extraordinaire, un premier arrêt du gardien. C'est l'arrêt décisif, hein, de cette action, le tout premier. Ouais, s'il l'avait capté du premier coup, c'était encore mieux. Mais bon, il a bien assuré dans l'ensemble. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Et ça sort en touche. Un ballon rendu à l'adversaire. Diogo Jota. Liverpool qui perd le ballon. Messi. Antoine Griezmann. Ouais, non, le ballon est perdu sur cette bonne intervention. Fabinho. Les joueurs qui sont menés. C'est maintenant qu'on va pouvoir voir s'ils ont des ressources mentales. Il faut qu'ils s'accrochent. Et les joueurs de Barcelone qui ont toutes les raisons de se dire que ce n'est pas perdu pour eux. Et même si les minutes défilent quand même. Hein. Oh, il a fait le plus dur peut-être. Et ça fait donc 3 buts. Le coup du chapeau pour lui. Ouais, très belle performance de sa part. Rien ne l'arrête aujourd'hui. Alors qu'on voit revoir tout ça, d'abord il élimine un joueur en défense. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Fabinho. Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Oh, c'était dangereux, mais il a récupéré le ballon. Bien joué. Un bon ballon qui va peut-être retrouver preneur. Bonne intervention du défenseur qui a écarté le danger. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Griezmann, Ousmane Dembélé. Il gagne ce duel, il va repartir avec le ballon. Ça c'est très bien défendu. Il est un petit peu pris là quand même. Oh, c'est bien donné dans l'espace. Mal joué, mal négocié ce ballon. Mané. Ah oui, le bon ballon là. Oh, c'est dedans.
I'm on the corner, you see me coming, I'm on this
like, yeah, with it. They call me a killer, but I would just say I'm focused. Yeah. Strong like a pillar, on top of you like a locust. Don't play around, I'm bound for bound. You heard me say, I'm with it. No hay que ser fronte, tengo comiendo más grama con cabro en el monte. Activo, llevo sangre de los campeones. Yo soy el mejor, tú sabes las razones. No sudo una gota y me caen millones. En la calle que un chustro PR, así pa' mí que tu nombre yo entierre. With good love.
and go and do the things that I did, things I had to do just to get here. Gave up everything so I could be this. All my old friends think I'm a real. Do it for the kids and you do it for the honeys. For a little bit of this and a little bit of money. You had to see what I did. Couch thinking you weigh in. We'll laugh out loud. That's some real stupidity. Think I got here by using these itty bitty. I give them up but of a lie. I wish that all it took was a. If fame was a side effect. Yay, we'd all be drinking flavored Kool-Aid. And maybe like a billion Kim K's. I've been saying, oh my God. You've been blaming all your cards. I've been. I was on my grind, dedicated. Fat cats on the with the TV and lasagna. I'm like real montage, turn like a katana. Do it for the kids and you do it for the honeys. For a little bit of this and a little bit of money. My old friends, they be criticizing. She really changed who the think she is. Why she got no wedding ring? Even the good ones, they always say, when you gonna give up, live the right way. Like, why you gotta go and do me like. Call me right back, cause I was born for this. And I would sacrifice you like the kid in the glasses from Lord of the Flies, boo. All the places that I wanted, all the friends that I forgot. Tell me how to live my life. What's the noble sacrifice? I've been saying, oh my God. Sé que no estoy sola, me puedes oír. Desde el otro lado de la galaxia, yo te traigo un rayito de esperanza. Aunque creas que ahorita no hace falta, por si acaso yo te quiero decir que no estás sola, por eso digo algo. Yo no sé dónde voy, pero me voy contigo.
Bonjour à tous, nous sommes en Espagne aujourd'hui, plus exactement en Catalogne, à Barcelone. Bien évidemment en compagnie de Pierre Ménès, qui est à mes côtés, toujours fidèle. Ouais, c'est la première journée de cette saison qui commence et fait partie des jours qu'on adore dans l'année. On est toujours très excités. Le Barça contre la France. Hervé, on en parlait ensemble, en aparté, avant de prendre l'antenne. C'est un premier rendez-vous déjà capital pour eux, après avoir absolument tout raté la saison dernière. Il faut se remettre dans le sens de la marche dès aujourd'hui. Je traduis, il faut gagner. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Paul Pogba. Coman. Il file seul vers le but. Allez, il faut essayer de créer un petit peu de mouvement. Ah oui, il reprend le ballon au tout dernier moment. Griezmann. La bonne passe lobée dans le dos de la défense. Paul Pogba. Antoine Griezmann. La passe est trop appuyée, ça ne donnera rien. Ah, j'espère que ce n'est pas ce qu'il a voulu faire parce que... Il est allé au bout de son geste, mais c'était trop mal joué pour que ça donne quelque chose. Lionel Messi. Griezmann. Ouais, la bonne passe en profondeur de Griezmann. Antoine Griezmann. Allez, l'occasion peut-être de mener. Allez, il faut centrer, c'est le moment. Busquets. Griezmann. Et il y a but. Il est sur la trajectoire du ballon, mais ça rentre, hélas pour lui. C'est donc l'ouverture du score. 1-0. Oh, le gris-gris de Pogba. Attention à la frappe. La frappe était belle. Mais il y avait un problème de mire. Ouais, un ballon qui a filé au-dessus, dommage. Ansu Fati. C'est dévié, ce sera une touche.
Clément Langlais. Se ha encontrado una chaqueta negra con rayas blancas en las mangas. Que su dueño acuda a objetos perdidos. Avec De Jong. Messi. Il avait vu venir. Paul Pogba. Kylian Mbappé. Oh, que c'est bien donné ça. Ouais, le défenseur qui enraye cette action. Paul Pogba. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Oh, l'égalisation! L'égalisation, Pierre! Ouais, ouais, les joueurs ont su créer le danger et profiter d'un petit peu de suffisance, peut-être, dans le camp d'en face. Ils vont pouvoir jouer la touche. Messi. Ah, c'est finalement un match assez équilibré auquel on devrait assister, Pierre. Alors ça, c'est que c'est loin d'être joué, qu'il faudra rester concentré et appliqué. Mais je pense qu'on va avoir une belle rencontre. L'arbitre qui n'a pas sifflé, qui laisse l'avantage aux Français. L'adversaire qui s'empare de ce ballon. Sergio Busquets. Antoine Griezmann. Clément Langlais. Ah, la passe en profondeur, attention. Messi, le bon ballon. Et il est où le gardien? Il est parti à la pêche. Quel positionnement étrange du gardien. Et ça fait but, bien sûr. Français en difficulté qui se retrouve mené alors que le jeu reprend. Ballon intercepté par Sergio Busquets. Kingsley Coman. Antoine Griezmann. Attention, on ne peut plus l'arrêter, attention. Ouais, nouvelle occasion. Stegen, attention, l'action qui se poursuit. Ouais, le pénalty qui est accordé par l'arbitre et qui va permettre à l'adversaire d'avoir une balle d'égalisation. Oh oui, l'arrêt du gardien. Un super arrêt, il ne s'est pas laissé piéger. Le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Et le gardien qui éloigne le danger sur ce corner. Allez, de jeu. Peut-être l'égalisation sur ce coup. Ter Stegen qui n'a pas capté le ballon. Attention à ce ballon récupéré là très haut. Voilà, la bonne intervention du gardien qui repousse. Dembélé. Le gardien qui repousse. Ansu Fati. Barcelone qui après avoir frôlé l'égalisation contre elle aimerait creuser l'écart. C'est pour le gardien ce ballon. Allez sortir, bien joué. Griezmann, Hernandez, Mbappé. Équipe de France qui part à l'attaque. Griezmann. Oh, c'est bien donné en profondeur. Et bien joué, il fallait y aller hein, sur ce ballon en profondeur. Ah, il tente de priver Coman du ballon. Les Bleus qui vont bénéficier du coup franc. Le quatrième arbitre indique qu'il n'y aura qu'une seule minute de plus à jouer. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Voilà, l'arbitre qui va renvoyer tout le monde au vestiaire sur ce score de 2 buts à 1. Qu'est-ce que tu dirais des 45 premières minutes de Léo Messi dans ce match? Il était assez bon cette première mi-temps. Il a permis à son équipe de prendre l'avantage. Dommage pour lui qu'il ait trouvé le poteau sur une autre occasion.
L'équipe de France qui donne le coup d'envoi de cette seconde période. La passe est récupérée par Sergio Busquets. Ah, c'est bizarre, mais elles sont un peu faibles aujourd'hui, les stats de possession de balle du Barça. Mais on le sait, ça ne fait pas tout. Hein. Et cette équipe a su se montrer réaliste quand elle a eu des occasions. Le gardien, c'est pas fini. Oh, le but du Barça! Le but du Barça, ça fait deux buts d'avance maintenant pour les Catalans. Et le score qui est maintenant de 3 buts à 1. Interception de Sergio Busquets. Bonne transmission. Sergio Busquets. Antoine Griezmann. Récupération et peut-être une action dangereuse. N'Golo Kanté. Mbappé. Qui redonne à Kylian Mbappé. L'attaque est propre, les ballons toujours en jeu. Il y a peut-être moyen de placer un contre, attention. Ouais, pas très bien joué ce contre, ça a été trop lent et l'adversaire a le ballon désormais. Ah ouais, c'est bien fait ça. Il fallait le récupérer, hein, ce ballon. Ouais, les bleus, cette touche. Oh, le geste technique, c'est magnifique. Allez, allez, ça doit aller au fond, ça. Et c'est un corner, hein. C'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier. Allez, changement, il sort après avoir rendu une copie bien pâle. Oui, ça me paraît logique, il va falloir mettre les bouchées. Finalement, le gardien qui repousse. La passe pour Clément Langlais. Antoine Griezmann. Passe qui sera finalement pour Jordi Alba qui a récupéré. Ouais, bien arbitré là. Le Barça qui poursuit son action malgré la faute. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, la passe est interceptée. Le ballon est perdu. Léo Messi. Frankie de Jong. Ouais, il a sorti les muscles là pour prendre ce ballon. Busquets. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann. N'Golo Kanté. Digne. Kylian Mbappé. Allez, il y a de l'espace devant lui. Griezmann. Oui, bien joué le gardien qui écarte le danger. Et ça va donc être un corner. Et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Antoine Griezmann. Sergio Busquets. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Allez, dans le couloir. Et on tarde à revenir défendre. Attention. Ah, il redonne à Griezmann. Ouais, très très beau geste défensif. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Oh, la grosse faute alors que il partait au but. Attention, anéantissement d'une action de but, ça sent l'exclusion. Et c'est capté par le gardien, le coup franc qui ne donnera rien. Messi. Antoine Griezmann. Attention là, les Catalans qui ont tout le couloir de libre. Ousmane Dembélé. De Jong. La bonne intervention d'N'Golo Kanté qui intercepte. Attention à la contre-attaque. Allez, il peut réduire l'écart là peut-être. Sergio Busquets.
Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Kineyong. Oh là là, l'occasion. Oh, le but! Eh oui, c'est le grand retour du tiki-taka. Ça fait plaisir. De revoir des actions de ce genre, ça avait un peu disparu de la circulation. Vous savez ce que c'est la mode, hein, même dans le foot. Un buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé, après il n'y a plus qu'à battre le gardien. Il ne reste que quelques minutes, mais il n'y a guère de suspense. Ça s'annonçait serré, mais les joueurs du Barça ont placé un bon coup d'accélérateur quand il le fallait. Messi. Et Messi. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. C'est venu en profondeur. Aïe, 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 c'est juste au-dessus. Ah ouais, c'est un chouïa trop haut, ce ballon piqué. Tout est dans le dosage et sur ce coup-là, il en a mis un peu trop. Antoine Griezmann qui cède sa place. Peut-être qu'il aurait aimé aller au bout du match, mais il peut être content de lui. Il a marqué, son équipe mène au score. Bah, il peut s'asseoir tranquille sur le banc. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Superbe, superbe la passe de Thomas Lemar. Et il y est. Ouais, c'est bien d'avoir marqué, même si ça ne change pas grand-chose au résultat final. 4 buts à 2, nouvelle évolution du score, on se régale. Clément Lenglet, on a l'impression que le match va se terminer vraiment comme ça, sur ces séquences de possession, sans aucun danger. On aimerait une dernière action quand même. On entre dans les 4 dernières minutes de cette rencontre. Un ballon perdu par le Barça. L'équipe qui a attaqué et qui va devoir défendre maintenant, puisque ce ballon est perdu. Jordi Alba. Un petit peu de déchet dans le jeu de Jordi Alba qui perd la balle. Et 2 minutes seulement ont été ajoutées par l'arbitre. Le ballon qui change de possession. Pjanic. Messi. La petite passe par-dessus pour Ousmane Dembélé. De Jong. Lucas Digne. Ouais, très bon coup franc. Cette faute commise dans une zone dangereuse. Attention à ce coup franc qui sera bien placé. Et le duel est gagné par le défenseur. L'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Cette équipe qui s'impose devant son public. Et moi, c'est terminé. Sur la trajectoire du ballon, mais ça rentre, hélas pour lui. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Oh, le gars. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Messi, le bon ballon. Il est où le gardien? Il est parti à la pêche. Quel positionnement étrange du gardien. Et ça fait but, bien sûr.
Le gardien, c'est pas fini. Oh, le but du Barça. Le but du Barça, ça fait deux buts d'avance maintenant pour les Catalans. Et le score qui est maintenant de 3 buts à 1. Young. Oh là là, l'occasion. Oh, le but. Eh oui, c'est le grand retour du tiki-taka. Ça fait plaisir de revoir des actions de ce genre. Ça avait un peu disparu de la circulation. Vous savez ce que c'est, la mode, hein, même. Setback. Euer Sword, ihr ist lange vor ein Payback. Cake rollen mit dem, bis wir go way back. Ihr hört ein Träumen, rolle ihn Mayback. Ihr Lilan ist so deklar, ihr hat Jetlag. Ihr seid Bean, aber laid back. Drop aber die straight facts. Die wissen immer mehr. Pack, pack. Ah, Rupo. Eis, komm ein mit Phil Scopo. Ey, ey. Rupo. Ola, ola, abgeben, nur dicke Glupo. Ey, ey. Einige Trupo, ey, ey, Trupo, die wir hate vor den Männern mit der Uko, ey, ey. Arutomelabel, Batman, nice Arutomelabel. Yo, Arutomelabel, ma dafür wir mir Silpo in Geld zeigt's Geld. Arutomelabel, man, dem Spieler hoch mit der Bein versell. Stick mein Big Party Gala, ihr Glell. Spanier das Sill, Arutomelabel, yo. Salut à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce match ici au Signal Iduna Park. Carmenès et moi-même, nous allons vous commenter cette rencontre. Le Borussia Dortmund contre le FC Barcelone. Premier match, première victoire pour eux, Hervé. Place maintenant au second match et l'occasion de confirmer cet excellent début de saison. Excellente intervention. Intercepté, passe de Messi. Antoine Griezmann. Avec De Jong. Sergio Busquets. Attention au danger. Sergio Busquets. Ballon capté par le gardien. Et le gardien qui ne s'embarrasse pas. Et Messi. Il sera comme toujours l'une des pièces essentielles de son équipe aujourd'hui. Oui, c'est un brillant technicien, très habile avec le ballon et un excellent dribbleur. Allez, l'occasion de passer devant. Et l'ouverture du score, oh, ils n'auront pas traîné pour prendre les devants dans ce match. On revoit cette excellente inspiration, centre en retrait, toute la défense est surprise. Après, je suis assez effaré par la détermination et la qualité de la finition du buteur, malgré la pression. Rafael Guerreiro. Hollande. Rafael Guerreiro. Nico Schulz. Le centre pour Marco Reus. Oh, il était temps d'intervenir là. Antoine Griezmann. Messi. Allez, faut centrer vite. Il donne dans l'axe, attention. Akine Young. Allez, pourquoi pas l'égalisation. Non, ça ne donne rien, c'est joué trop fort. Frankie de Jong à Griezmann. Sergio Busquets. Busquets, il perd le ballon. Oh, la faute!
Faute. Ouh, la faute, trop d'engagement sur ce tacle. Ça sent le carton jaune. Et l'entraîneur qui procède à un changement. Ouais, il a bien lu le jeu. Et Ter Stegen qui s'interpose sans problème. Gérard Piqué. Jordi Alba. Le long de la ligne de touche. Griezmann. Léo Messi. Ousmane Dembélé. Antoine Griezmann. Oh, qu'est-ce qu'il s'est bien arraché sur ce coup. Rafael Guerreiro. Interception de Sergio Busquets. Coutinho. Peut-être l'égalisation sur ce coup. Vitel. Marco Reus. Allez, peut-être une bonne occasion. Messi. De Jong. Messi. Oh, c'est dangereux. Voilà, il fallait intervenir urgemment. Frankie De Jong. Pour la nouvelle occasion. Et le but, on s'en allait le chercher, hein, ce but. Ils n'ont pas arrêté de harceler le porteur du ballon. Quelle énergie ils ont mis. Ils sont récompensés. Oui, ils ont forcé l'adversaire à jouer en sur-régime par moment. Et voilà la première approximation. Ça se paye cash. C'est récupéré. Marco Reus. Conserveront pas ce ballon, les joueurs de Dortmund. Lionel Messi. Il a tenté le ballon par-dessus pour Antoine Griezmann. Coutinho. Oh, le but encore. Et celui-là, il fait très mal. Hein. Il fait très mal parce que l'écart est en train de se creuser. Dortmund est mené. C'est mené sur l'aile. Placement de Jordi Alba qui a récupéré cette passe. Coutinho. Lionel Messi. Coutinho. Ah oui, c'est bien fait ça. Attention au danger. Bonne intervention du gardien qui repousse. Sancho. Très bien de Sancho. Et qui perd le ballon. Antoine Griezmann avec Jordi Alba. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Oh, la bonne occasion avec ce ballon. Ouais, la passe en profondeur. Barcelone qui marque. On voit le départ de cette action avec un redoublement de passe. La vista de Messi pour adresser ce caviar. Et tout est parti de ce contre avec un joueur qui parse le but. Il a bien résisté au retour de la défense et il a laissé aucune chance au gardien. Une belle action individuelle. Il poursuit son action personnelle. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Jordi Alba. Allez, dans le couloir. Coutinho. Messi qui a manqué sa passe et qui donne le ballon à l'adversaire. Ballon en profondeur. Le gardien qui repousse. Interception de Marco Reus. Allez, c'est la mi-temps. Mi-temps 3 buts à 1 au tableau d'affichage. Le réalisateur s'attarde sur ce joueur, sans doute parce qu'il le trouve, un peu en dedans aujourd'hui. Quand on se crée aussi peu d'occases et qu'en plus on n'est pas efficace, les joueurs adverses prennent confiance et vos coéquipiers peuvent se décourager. Bon, va falloir quand même qu'ils se réveillent là.
le coup d'envoi de la seconde période. Pour l'instant, l'équipe de Barcelone qui est devant. Clément Lenglet. Avec Lenglet. Frankie de Jong. Et encore une bonne passe. On écarte un petit peu le jeu. Messi. De Jong. Oh, c'est dangereux. Ouais, la bonne parade. Attention, ce n'est pas terminé. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Bravo, c'est lui qui sauve la mise sur cette action. Quel arrêt. Coutinho. Léo Messi. Attention, attention à Léo Messi. C'est le Barça qui marque. Et tout est parti de ce contre avec un joueur qui part seul au but. Il a bien résisté au retour de la défense et il a laissé aucune chance au gardien. C'est une belle action individuelle. Le score qui est maintenant de 4 buts à 1. Marco Reus qui continue. Piqué redonne derrière au gardien. Gérard Piqué. Attention à ce ballon récupéré là très haut. Ah oui, c'est bien fait ça. Ta gueule, le réflexe. Oh, magnifique. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Corner repoussé par le gardien. Rafael Guerreiro. Pourtant Ben Hazard. Marco Reus. Un ballon pour Reus. Oh, le grand danger. C'est la Gérard Piqué. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Il n'y a pas grand monde là pour revenir défendre. Oui, l'occasion. Oh, la belle intervention du gardien là pour écarter le danger. Ouais, il n'a pas hésité à y aller à fond, c'est bien. Et c'est un corner. En deux temps, peut-être ce corner. Frankie de Jong. Philippe Coutinho. Sergio Busquets, le bon ballon dans la profondeur. Ah non, c'est mal négocié. Le ballon qui change de camp. Antoine Griezmann. Un duel gagné, il prend le ballon. Marco Reus. Rafael Guerreiro. Hollande. Reus. L'adversaire qui hérite de ce ballon. Messi. Ousmane Dembélé. Ouais, c'est dommage de se faire prendre en position illicite comme ça. C'était une bonne occasion. Hollande. Rafael Guerreiro. Conserveront pas ce ballon, les joueurs de Dortmund. Frankie de Jong. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Léo Messi. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Oh, il y a du monde sur lui. La récupération est peut-être une action dangereuse. Ousmane Dembélé. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. Attention à la contre-attaque. Dortmund qui perd le ballon. Ouais, lumineux cette passe. Ah ouais, bien donné en profondeur. Et Messi qui marque. Le but de Lionel Messi. Ah, les défenseurs adverses qui savent pourtant de quoi il est capable. Bon, je crois qu'il n'y a plus vraiment de suspense, hein.
les supporters qui font profil bas aujourd'hui. Ouais, c'est le cas de le dire. Pas trop la fête dans les tribunes, mais le moral est touché, c'est sûr. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Voilà, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Et elle n'ira pas au bout, cette contre-attaque. Avec De Jong. Ouais, bien joué de la part de Coutinho. Il essaie de gêner Messi dans son action. Ouais, pas de prise de risque, ballon dégagé. Clément Lenglet. Sergio Busquets. Encore 7 minutes à jouer. Antoine Griezmann. Jordi Alba. Coutinho. Alors, intercepté sur cette passe de Coutinho. Bon, finalement, ce match n'est pas le bras de fer annoncé et attendu. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on s'attendait à un match fermé et serré. Et puis là, c'est tout le contraire. Les joueurs en doivent être les premiers surpris. Hein. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir. Ouais, bien arbitré là. Le Barça qui poursuit son action malgré la faute. Rafael Guerrero. Un ballon pour Reus. Sancho. L'arbitre qui accorde un coup franc à Dortmund. La dernière minute du temps réglementaire. On aura droit à une petite minute de temps additionnel. Et voilà la fin du match et donc les 3 points pour l'équipe visiteuse, Pierre. Une rencontre dans l'issue, il ne faisait aucun doute. Ils ont dominé leur sujet de bout en bout. Pierre, un petit mot rapide sur la prestation de Léo Messi dans cette rencontre. C'est un bon match qu'il vient de livrer, qu'a doublé à la clé. Quand il évolue à ce niveau-là, il a tendance à tirer l'équipe vers le haut. Allez, l'occasion de passer devant. Et l'ouverture du score, hein, ils n'auront pas traîné pour prendre les devants dans ce match. Bon, là, il fallait intervenir urgemment. Frankie de Jong. Et le but, ils sont allés le chercher, hein, ce but. Ils n'ont pas arrêté de harceler le porteur du ballon. Quelle énergie ils ont. Lionel Messi. Il a tenté le ballon par-dessus pour Antoine Griezmann. Coutinho. Oh, le but encore! Et celui-là, il fait très mal. Hein. Il fait très mal parce que l'écart est en train de se creuser. Oh, la bonne occasion avec ce ballon. Ouais, la passe en profondeur. Barcelone qui marque. On voit le départ de cette action avec un redout. Coutinho. Léo Messi. Attention, attention à Léo Messi. C'est le Barça qui marque. Et tout est parti de ce contre avec... Ouais, lumineux cette passe.
Twos, I got you. You can kick it with a crew like Kung Fu on cue. Stood in the corner of a dark room with a look in your eyes and say I want you. Okay. Twos, I got you. And you make the rise at the sun do. Okay. Sun Tzu, the best way to subdue. Okay. Come true, do what you want, who's gonna stop you? You lied, took my love, now I feel like a fool. Such cash, but you don't give your love to me. I got you. I'm just trying to play the fool, trying to cut loose. Looking like a cola bottle in that body dress. To the world screaming, you. Twos, I got you. No rules, just us, no rules, just us two. No rules, just us, no rules, just us two. I'm a big shot, I do what I want to.
Là, c'est toujours l'un des matchs les plus attendus de la saison en Espagne, en Europe, voire même dans le monde. Le Barça qui reçoit aujourd'hui le Real, c'est l'une des affiches vraiment de la saison. Bonjour à tous, nous sommes en Espagne aujourd'hui, plus exactement en Catalogne, à Barcelone. La partie commentaire sera assurée comme toujours par Pierre Ménès et moi-même. Il devrait y avoir de l'engagement, de la passion, de la technique également, puisque c'est un match de Liga Santander que nous allons suivre. Le FC Barcelone affronte le Real Madrid. Les deux entraîneurs ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui, de l'engagement, de la concentration pendant 90 minutes. L'enjeu, c'est évidemment les 3 points. Point barre. Il est bien là. Le légendaire Léo Messi dit qu'il raccrocherait les crampons à la fin de la saison. C'est pas encore officiel, mais il aurait pris sa décision. Je sais pas si vous avez un avis, Pierre, là-dessus. En fait, tant qu'il n'y a rien d'annoncé, j'aurais pas d'avis. Même si, mon avis, c'est de lui laisser le soin de l'annoncer lui-même et d'en parler rapidement à son entraîneur pour qu'il prenne ses dispositions pour pallier son absence la saison prochaine. Mais ça, ça va pas être simple. Léo Messi con el 8, Nicolò Barella con el 11, Ousmane Dembélé et con el 7. Voici la composition du FC Barcelone. L'entraîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. On va donc voir un bloc assez homogène, évidemment pas du tout évident à bouger. La composition du Real Madrid. Thibaut Courtois sera dans les buts. Leonardo Bonucci en défense, aux côtés de Milan Skriniar. Marco Verratti sera associé à Carlos Casemiro au milieu. Et seul à la pointe de l'attaque, on retrouvera Memphis Depay. On peut s'attendre à ce que les visiteurs appliquent leur philosophie de jeu habituelle. C'est-à-dire une grosse intensité, un gros pressing notamment. Ouais, ça monte au pressing tout le temps dans cette équipe. Elle aime bien harceler l'adversaire pour lui faire faire des fautes ou des mauvaises passes. Lionel Messi. Il fallait le récupérer, hein, ce ballon. Lionel Messi. Les Blaugrana qui ont le ballon. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Oh, que c'est mal défendu. Nicolò Barella. Ah, le ballon qui est donné en profondeur. Voilà, c'est pas possible. C'est pas possible de se rater à ce point-là. Oh mais tu sais, en foot, tout est possible, hein, même vendanger à ce point. Milan Skriniar. Marco Verratti. Depay. La passe lobée pour essayer d'alerter Hazard. Eden Hazard qui centre. Et non, ça ne donnera rien au final. Griezmann, ouais bien, ils ont bien pressé, ils sont allés le chercher ce ballon. Ah là, ça joue vers l'avant. La passe levée pour essayer d'alerter Hazard. Ah, ça va être au-dedans. Et ça fait but donc après un gros travail de récupération, Pierre. Oui, oui, c'est l'illustration du système de jeu de cette équipe. À force de presser, elle récupère et elle marque. Le Real Madrid qui a pris l'avantage au tableau d'affichage. Ouais, très bonne intervention défensive, bien joué de sa part. Un petit peu obligé de se débarrasser du ballon là parce que ça pressait très bien en face. Il intercepte. Avantage pour le Real Madrid, ça joue. Il va bénéficier d'un coup franc.
Casemiro, il repousse le tir. Ousmane Dembélé. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Ouais, ça continue. L'égalisation au bout peut-être. Oh, l'occasion ratée. Incroyable. Ouais, le Barça qui court toujours après son but de retard. Griezmann. Antoine Griezmann qui a manqué d'inspiration sur ce ballon. Qui l'a rendu à l'adversaire. Allez, on peut prendre l'espace là. Bon tacle défensif pour envoyer ce ballon en touche. Hazard. Allez, corner donc. Il n'a pas cherché vraiment le point de pénalty hein, sur ce corner. Ouais, bien présent le gardien sur cette action, mais ce n'est pas fini. Ce sera une touche, mais ça aurait pu être un corner. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. Rodrigo. Oui, attention. Le gardien qui repousse. Ouh, c'était moins une. Oui, il a bien fait de passer par là, lui. Il a eu le bon geste, vraiment. C'est jamais évident d'intervenir dans ces situations. Ousmane Dembélé. Attention, il est tout seul.
passing all these handouts. Stupid playing safe. You can say comfort the children, they got lost along the way. Vipers in surround. Cut this out. If I'ma take your money, I'ma end up in the ground. So I might die if I
got one thing right, it was you and me. So I'll go in so nobody sees. Pull me closer, please. I don't even need you to explain. How much longer will you keep me on your chain? Quelle affiche, hein. C'est vraiment une affiche que tous les spectateurs attendent depuis longtemps. Les spectateurs présents. Sont conscients d'avoir de la chance d'être là, de pouvoir y assister. Déjà une grosse ambiance ici à l'Estadio de la Ceramica. Ça, c'est un ballon donné à l'adversaire. On sait m'avoir. Griezmann, Ousmane Dembélé. Le joueur qui touche beaucoup de ballons, qui multiplie les passes. Wow, bien vu ça. Oh, quel arrêt! Oh, quel arrêt! Un plongeon exceptionnel! Ah, c'était dangereux, mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Emeric Laporte. Quoi, une bonne séquence de passes des Barcelonais. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Ce ballon qui file jusqu'au gardien. Ouais, qui va pouvoir relancer son équipe. Ah, il bascule sur l'aile, histoire de tirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Ah ouais, les mains sur du gardien. Le ballon qui sort et le gardien qui va pouvoir se dégager. Lionel Messi, Nicolò Barella, un ballon perdu par le Barça. Barrero. Emeric Laporte qui intercepte. Lionel Messi. Les Blaugrana qui ont le ballon. Ousmane Aouar. Ouais, lumineuse cette passe. Le gardien qui repousse. Owen Peña. Oh, il n'a personne pour le gêner dans le couloir. Ça va bien s'il joue comme ça. Et je peux vous dire que le réveil risque d'être brutal. Rodrigo Eli. Coquelin. Parejo. Il perd le ballon. Allez, on peut y aller, ça démarre avec le Barça qui joue le premier ballon de cette seconde période. Nicolò Barella. Antoine Griezmann qui a manqué d'inspiration sur ce ballon et qui l'a rendu à l'adversaire. Le joueur de Villarreal qui se trouve bien en ce moment. Jordi Alba. Antoine Griezmann. Avec Jordi Alba. Qui va changer de camp. Il essaye en louche un petit peu.
Oh, que c'est bien joué, bien coupé par le défenseur. Nicolò Barella. Ousmane Dembélé. Oussama Aouar. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Ah, il est passé, il file vers le but. Bien repoussé par la défense. Ah, il est bien placé pour centrer. Parejo. Francisco Klein. Ils vont pouvoir jouer la touche. Ah, il fallait tacler, bien joué. Et encore une bonne passe. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Les Blaugrana qui ont souvent l'habitude de gagner assez facilement. Aujourd'hui, il faut faire plus. Allez, il faudrait qu'ils centrent très vite. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Parejo. Carte un petit peu de jeu. Le ballon qui sort en corner. Attention, peut-être une occasion. En seconde touche, on a estimé qu'il fallait changer quelque chose. C'est pas banal ce qui vient de décider l'entraîneur du Barça. Il va changer trois joueurs d'un coup. Le quatrième arbitre lève son panneau. Une minute de temps additionnel seulement. De Leït. Le coup de sifflet final qui va enfin libérer les joueurs, parce que là ils viennent de terminer ce qui n'était finalement pas le plus important aujourd'hui. Je crois qu'ils avaient tous en tête ce qui va suivre, à savoir la remise du trophée. Ouais, encore que parfois tu t'éclates bien à jouer un match sans enjeu, mais là oui, c'est sûr que la saison a été longue et qu'ils avaient hâte de fêter ce titre. Donc voilà, maintenant c'est chose faite. Ce sera dans un instant, après ces petits moments de joie collectif, ils vont pouvoir enfin toucher des doigts ce trophée tant convoité. Alors, dans quelques instants, les joueurs, le capitaine en premier va pouvoir brandir la coupe, la petite cérémonie qui va bien. Oui, on sent que c'est une joie très mesurée, très professionnelle. Hein. On voit que c'est quand même pas non plus l'événement du siècle pour ce club. C'est pas la finale de la Coupe du Monde non plus, quoi. Hein. Alors attention. Non, enfin, il y en a qui manquent de pudeur parfois. J'ai l'impression qu'ils ont gagné une coupette et qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Allez, ils vont brandir le trophée dans un instant devant un supporter quand même. Ça reste un titre, hein, c'est important. Et on voit qu'ils ne sont pas foulés au niveau podium. Hein. Ouais, il est un peu en carton. Hein, ouais, quoi, deux pauvres. Deux pauvres panneaux en aglo et en avant d'avant. Voilà le moment d'échange tant attendu. Le sacre officiel désormais. Ils peuvent partager ce moment de joie. Ouais, mathématiquement, ils l'étaient déjà. Mais bon, bah, c'est sûr que brandir la breloque devant tes supporters, c'est toujours un super moment dans une carrière. Ah bah oui, brandir la breloque. Ouais. Il y a une contre-pétrie, non?
Allez, la petite photo pour l'éternité, parce qu'on ne se rend pas compte quand on vit des moments comme ça. Ça, c'est la photo que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, la photo officielle que les gens regarderont. Hein. Ouais, les joueurs font les marioles, mais c'est une photo qui est là pour l'histoire. Le quatrième arbitre lève son...
what you talking about? Unity. We suffer too long, oh. For raising black man. Unity. Yes, we're gonna change, oh. Unity. Caribbean people. Unity. Brazilian people. Unity. Oh, one and all. Unity. We suffer too long, oh. That time is at hand. Look how long we've been fighting each other, carrying bags and hands. Yet we knew all along that the only way forward is unification. That time is now at hand, when nations and nations must acknowledge their creation. Almighty people, sunburn face, among all other nations, rise and take your place. What you talking about? Unity. You think that I'm mad? Unity. Where can I find it? Unity. I'm looking hard. Unity. Oh, oh, oh. Unity. For all of my people. Unity. Oh, African man. Unity. You suffer so long, oh. Unity. Oh, oh, oh. Unity. We did not die in that diaspora. A greater fate awaits. Yeah. Come, let's get this movement here together. Tomorrow may be too late. Yes, I know, among us, they are traitors and spies. But no one can stop us if we're truly unified. I know, among us, there are wolves among the flocks. But no one can stop us, and to conquer they cannot cause. Unity. What am I calling? Unity. For every black man. Unity. Hey, what I call? Unity. Don't think that I'm crazy. Unity. Some say that I'm mad. Unity. Where can I find it? Far too long we've been fighting each other, carrying bags and hands. Yet we knew all along that the only way, the only... What am I talking? Unity. What am I talking? Unity. For every black man. Unity. We suffer so long, oh. At home and abroad. Unity. What am I talking? Unity. You think that I'm mad? Unity. Oh, oh, oh. Unity. African people, unity. Caribbean too. Come everybody, unify. Ah, ah. Che intanto se no non ci siamo. Dice di non l'ora, vorrei sapere tu che fai. Non sopporto la gente che si dice sempre mai. So che non sono solo qualcuno là fuori, capisce bene quello che intanto se no non ci siamo. Dice di non l'ora, vorrei sapere tu che fai. Ma cosa fate oggi? Io mi annoio, io mi finisco tutta la serie. Oppure dormo, oppure vedo qualcuno che appoggi sto mio sogno. Oppure torno a sognare da solo, mi sveglio male la mattina, yeah. Non voglio vedere para, e quindi ra, ra, e quindi la ra, ra, ra. E ti mando due kiss, ti mando due kiss, io mando due kiss. Ma rispondi please, perché te la tiri dai fatti. Sto sulla luna, non fate i bambini, non fate i gallini. Se fate dei squali, tappate le angeli da amici e vicini. Non sopporto la noia, stavo sempre in mezzo ai guai. So che non sono solo qualcuno là fuori, capisce bene quello che intendo se non ci...
down under money trees I bought. Now they come around like they know me now. Is it just the path I walk? Thinking I can save them all. I can't even save myself. I care. Maybe me and God could talk. Yeah. I can't take a second. Yeah. Don't wanna talk when they suppress a message. I mean, they said drop call when I had great connection. And now I'm on the phones talking with the great connections. I got the vibe on me. It's like a gray light. Hey, nights, cause my mind can never stay quiet. These wars that I fight, they leave me dead. Like, is my hair right? Is this far from sure? All these questions, these voices answer. I'm a mind slave. I'm in overdrive. I can't take a break. I don't feel alive. All my fake friends free them up and then I slide. Right about their lives. It's about the time. Yeah. Shadows down under money trees I bought. Now they come around like they know me now. Is it just the path I walk? Thinking I can save them all. I can't even save myself. I care. Maybe me and God could talk. Yeah. Hard for me dealing with emotions that I feel. Couple friends turning enemies, can't tell who real. Love from a distance, cause my heart is on my sleeve. I don't need a Judas that I feed to get me killed. Yeah, had to let you know, I had to let you go. We barely hanging on, so you can't ask to keep in touch. I'm riding by myself. Now they asking for a reason. I was solo dreaming. Every single season of me. Reason to me dreaming. I just turn my soul for the keeps. I just hope my mom's proud of me. Shade is down under money trees I bought. Now they come around like they know me now. Is it just the path I walk? Thinking I can save them all. I can't even save myself. I care. Maybe me and God could talk. Dreaming to sound that carry me so far away. The freedom now, forever I'll be bound. Dream of the south, or where the sun's so paramount. Took the seasons all, spend my time here now. They play like silent movies, only you can see. You shelter them and keep them rolling. Won't you ever let them go? But tell me at what cost. I'll find the ticket to ride. I'll be waiting for the perfect time. Sometimes with a look in my eyes, I'll be gliding through these dreams of mine. When it's right to step out of line, I'll be waiting. Waiting, I see it run for. And I'll find my ticket to ride. Carry on this warm embrace. I'm deep in now, sanctuary found. Thoughts on a cloud are washing in like ocean waves. So let me drown, no, never let me down. They play like silent movies, only you can see. You shelter them and keep them rolling. Tell me at what cost. I'll find the ticket to ride. I'll be waiting for the perfect time. Sometimes with a look in my eyes, I'll be gliding through these hopeless dreams of mine. When it's right to step out of line, I'll be waiting. Waiting to see it my fall. And I'll find the ticket to ride. All I wanted to find.
mine is a place that I call paradise. Oh my, I look at the signs and I pray. Just lead me away from here. The walls, they fall away, I fall awake. I never want to lose this state of mind. It's mine and I'll never let it go. But tell me at what cost? I'll find a ticket, a ride. I'll be waiting for the perfect time. Sometimes when I look in my eyes, I'll be guiding through these hopeless dreams of mine. When's right to step out of line? I'll be waiting, waiting to see what form. And I'll find a ticket, a ride. Pero las más que me gustan son latinas. Ella no es lesbiana, pero a veces escondida a su amiga, su amiga, su amiga. Al ritmo de la música ella mueve la cadera, se me pone imperativa. Hace las cosas y no la pillan, ya, 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 ya. De todo tu vida, ¿y qué forma y te como yo escojo? Toda esa tú la volvería a hacer. Ella es mi alma gemela. Los dos somos adictos. A mí me gusta la mujer when they shake it, yeah, yeah, yeah. A mí me gusta when they wanna go and get it, yeah, yeah, yeah. A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta. I don't know what you used to, but I know that you have never tried something like this. I don't know what you used to, but it doesn't matter, cause I know you gone like this. It's lo que tienes ahí, lay it down on my body. Lo que tú quieres de mí, do whatever you got me. A mí me gusta la mujer when they shake their yaya. Like my dreams were a fable. Proud of me and stable now. Said I'm just talking to the fairies. They stuck in small town, little house on the prairie. The spoons like it's a pastime. One club wonder than the 9 to 5. One club wonder than the 9 to 5. I'm not here to sit upon a high horse, but I wanna school you on Commerce Course. Maybe I'm unstable, but I'm out here ways making themselves. I'm lifting a finger, didn't need no help. I didn't need no help. I didn't need no help. Now I got something to say. Who asked you? Who asked you? You should just retire. Who asked you? Who asked you? Did someone here say something? 'Cause who asked you? Who asked you?
But who asked you? Who asked you now?
keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this day. Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this day. In a piece, she in a we can work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Bump that talk, come to my house. We can work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Bump that talk, come to my house. You wish you could get that beat plus fries. You the shake, you the thing I'm trying to supersize. Jiggy jiggy, heavy heavy. Baby, do you love me? Honey's looking at me like hop in the line. Rock your body, don't stop. Okay, yeah, we see you. No perm, they press. Oh, yeah, he peep you. Thought y'all poke it out like, oh, we see you. We can work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Bump that talk, come to my house. We can work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Bump that talk, come to my house. How you talking about the vibes and your name's Killjoy? Bump, get money, that's the weed. Detroit. Get played by one, now we too bold. That pointless bluffing won't make. Salut à tous, vous découvrez le décor de ce match. Il neige beaucoup en ce moment sur les Pyrénées et la ville de Huesca ne va pas échapper à cette neige. C'est Hervé Matou bien sûr au micro. À mes côtés, ce cher Pierre Ménès, c'est vrai qu'il est un petit peu cher. Il devrait y avoir de l'engagement, de la passion, de la technique également, puisque c'est un match de Liga Santander que nous allons suivre. Huesca affronte le FC Barcelone. Mais l'opposition aujourd'hui encore entre deux équipes qui vont chercher à bousculer d'entrée leur adversaire du jour. Nous, on veut du spectacle épique.
Voici la composition de Huesca. Le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui. Un 4-5-1, semble-t-il. L'idée est surtout d'empêcher l'adversaire de passer le milieu de terrain. La composition du Barça qui s'affiche à l'écran. L'autre entraîneur semble avoir choisi la même organisation tactique que son homologue, Pierre. Absolument, Hervé, il a opté pour un 4-5-1 en 4 défenseurs, 5 milieux. Ah voilà, on commence par bétonner derrière et puis après on voit. Alors que l'arbitre donne à l'instant même le coup d'envoi de cette rencontre.